Bonjour mes petits douceurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien, désolé. Aujourd'hui on est là pour ouvrir cette petite boîte de Pokémon Detective Pikachu. Très jolie. J'espère que... Elle est très belle, regardez, Pikachu. Du coup on a 7 boosters à ouvrir avec un petit jeton. Et on a des surprises dedans. Et bien d'autres surprises. Du coup je vous la montre comme ceci. Voilà, avec toutes les petits Pikachu. Désolé du reflet, mais c'est le téléphone, ma caméra qui fait ça. Ouais, elle est très, très, très belle. Je vous montre l'arrière, hop, pour vous montrer. Hop, elle est très, très belle. Alors, interdit au salamèche. Regardez. Elle est très belle. Une super boîte de collection. Du coup, on va s'ouvrir ça et on va découvrir les petites surprises et nos boosters. Je l'ouvre si vous voulez voir le petit coffret. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien voir. Un vrai coffret trésor de Détective Pikachu. Hop, j'ouvre tout ça. Voilà, toute ouverte. Voilà. Elle donne encore plus belle quand elle est déballée. Regardez le beau Pikachu là, il est trop mignon. Trop mignon. Du coup, ça s'ouvre comme les autres boîtes, ça change pas. Hop. Oui, il y a un pins. Voilà. Il me semblait que j'allais bien. On va découvrir d'abord ce qu'il y a ici au-dessus. Voilà le joli pins que j'avais vu. Il est très beau. Je vais le garder pour moi. Le petit jeton. Très beau. En mettre. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boosters en détective Pikachu. Et 2 de soleil et lune. Et l'autre, c'est lumière interdite. Du coup, on va s'ouvrir ça. Je mets de côté pour continuer à voir ce qu'il y a comme surprise dedans. Du coup, on a des petits autocollants Pikachu détective. Trop mignon aussi. Pour mettre partout quand où on veut. Et on a juste un petit bloc-notes avec tous les détectives Pikachu. On n'a pas de crayon. Celle-ci. Du coup, voilà. Du coup, on va s'ouvrir ces boosters. C'est la première fois sur la chaîne que je vais en ouvrir plusieurs à la fois. J'espère. Ouais, on va commencer par les anciennes, toujours. On va faire par soleil et lune. Et puis, on fera lumière interdite. Hop. C'est parti. Et on fait 4, 2. Et c'est parti avec nos 10... Nudulite. Cosmos. Flamaouze. Picoquack. Croquine. Croquine, ouais. Energy Psy. Fée. Oh, fée, je me trompe toujours. Celui-là, c'est. Crystopile. Draco. Pigvenin, t'as des gilles. Mutismadex. Reverse. Reverse, oui. Et la dernière, on a. Le classe. En GX. Très belle petite carte qu'on protège directement. Pour ne pas l'abîmer, je vous montre. Comme ceci. Elle est très jolie. On va la mettre là. Et maintenant, on ouvre lumière interdite. On peut pas avoir de lumière alors, si c'est interdit.
Et toujours 4-2 pour garder la plus grosse en dernier. Coiffarel. Lignoso. Fenac. Flangouste. Flangouste. Opermine. Énergie. Plante. Tyrannie dure. Péperin. Poil métal. Gervamash en reverse. Oh! On a de la chance! Mais c'est quoi cette boîte? Les boîtes, c'est pour tout ou rien, de toute façon. On a de la chance. Elle est très belle. Du coup, on a eu deux. C'est de l'eau aussi, lui? C'est deux ultra rares. Non, mais c'est de l'eau? Deux aquatiques. Oui. Deux aquatiques. Enfin, théoriquement, le glace est glace, mais il n'y a pas d'en. Bon, on va retirer ceux-là pour ne pas mélanger. Hop, je les mets là. Et on commence avec les détectives Pikachu que je vais juste mettre là. Ils sont trop belles. Jusque celle-ci, il n'y a que 4 cartes dedans. Du coup, c'est un peu truste. Mais voilà. C'est normal, la série n'est pas énorme. En espérant qu'on aura essayé d'avoir tout. Je mets là pour pas mélanger. Et ça, on ne touche pas. Du coup, ça, c'est Psychoquack. Magikarp. Salamèche. Oh, elle est très belle, celle-là. J'adore. Regardez comme elle est belle. Elle donne bien avec une personne derrière. Et Natouf. Très belle aussi. Ouais. Allez. On continue avec le deuxième. J'essaye de ne pas casser trop les petits paquets pour les garder. Hop. On est parti avec Gros Doudou. Elle est très belle aussi cette carte. Salamèche, qu'on a déjà eu. C'est un peu triste. Bulbizarre, qui est très beau. J'adore le lancer de l'assaut. Et après, Feunebi. C'est l'ultra rare. L'ultra rare. Très belle aussi. Je crois que c'est les cartes qu'on ne jouera pas avec. L'autre fois, je vous avais... Hop, je vous montre quand même. Je vous avais pas montré. La description. Et c'est parti avec Excellent. Snubbull. Rondoudou. Et Pikachu Détective. Très belle carte. J'adore. Quand il cherche un indice. Mais quel indice qu'il pourrait trouver là-dedans dans la gelée? On dirait une gelée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Allez, c'est parti pour le quatrième petit booster. Cette vidéo est un peu plus longue, mais comme c'est une nouvelle série, j'aime bien d'aller plus doucement pour la découvrir. Bon, Salamèche, on l'a déjà vu. Spododo, très belle carte aussi. Bulbizarre, qu'on vient d'avoir. Et Arcanin. Ouh, je trouve celle-là un peu bizarre. Elle donne pas très bien. Mais très belle carte aussi quand même. Allez. Je ne sais plus à combien de boosters juste, mais c'est pas grave. Oh bah j'ai pas besoin de bouger. C'est l'habitude. Psychoquack qu'on a déjà eu. Salamèche. Bulbizarre. Et Métamorphe en rare. Ultra. Ultra rare. Il nous en manque déjà plus qu'une. C'est super ça. Voilà. Si on tombe sur Dracofin, on a toutes les ultra rares.
J'essaie d'aller en douceur pour pas casser le paquet. Hop, et on est parti avec Rondoudon, Psychoquack, Magikarp et Ludicolo. Ludicolo. Très belle carte aussi. Et mon dernier petit booster, je suis triste. On va pas se plaindre, on a eu quand même des petites pépites. Faut des ongles pour faire ça. On commence tout de suite avec Petit Mige Magikarp. J'adore Magikarp. Spododo. Snubbull. Macogneur. Avec tous en rare. Ah ok. Je l'ai oublié l'ortie, c'est vrai. En rare. Très belle carte. Hop. Voilà. Très belle. Avec tous ses bras. Si on pourrait avoir ça dans la vie, ce serait plus facile. Du coup, j'espère que cette petite vidéo de cette nouvelle extension de Pokémon vous a plu. Dites-moi en commentaire si le 8, vous allez voir le feu. Enfin, je ne sais pas si ce sera déjà mis avant le 8 ou après le 8. Dites-moi si vous avez été, si vous l'avez vu ou vous l'avez allé le voir. Le film Pikachu Détective. Et n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mettre la petite cloche pour avoir à chaque fois les vidéos quand ils sortent. Et mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Allez checker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.